They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut tout le monde, c'est Captain V. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour le confinement du Covid-19. Il faut avoir un papier en France qui certifie de votre déplacement. Si vous allez à la pharmacie, chez le médecin, en course ou tout simplement vous vous déplacez parce que vous travaillez, il vous faut un document. Je vais vous montrer comment l'avoir et surtout comment le remplir depuis son téléphone. Comme ça, vous pourrez l'imprimer directement et l'avoir au document numérique sur votre téléphone. Donc l'application à avoir, c'est Adobe Fill and Sign, comme ceci, donc sur le Play Store ou l'App Store. Vous le téléchargez et vous l'ouvrez. Ensuite, on va aller sur un navigateur. On va taper mobile.intérieur.gouv.fr. Il faut savoir qu'il y a deux documents. Donc là, vous allez choisir celui dont vous avez besoin. Le premier, c'est l'attestation de déplacement dérogatoire si vous allez chez le médecin, la pharmacie ou en course. Et le deuxième, c'est en dessous, justificatif de déplacement professionnel qu'il faut remplir tout simplement si vous êtes amené à prendre la route ou à vous déplacer dans la rue pour votre travail. Donc moi, je vais prendre le premier, attestation de déplacement dérogatoire. Je clique sur format PDF et directement il va s'ouvrir. Donc là, vous l'enregistrez sur Android et vous l'ouvrez sur l'application, en tout cas sur iPhone. Je clique sur partager, je choisis l'application dans laquelle je veux le partager, je descends en bas et vous voyez, on a l'application Adobe. Donc là, j'ai directement l'attestation et là, on va pouvoir la remplir en cliquant tout simplement sur l'écran. Donc là, moi, je vais mettre le nom de ma chaîne, donc Captain V. Je clique à côté et en fait, je peux tout simplement faire un zoom comme ceci et prendre mon nom et le mettre correctement sur les lignes. Donc là, je vais faire ça également pour la date de naissance. Donc je vais mettre une date de naissance comme ceci. Ça passe en noir une fois que c'est validé. Demeurant, moi, je vais mettre Dijon. Donc là, vous mettrez l'adresse complète. Ensuite, vous allez tout simplement faire une croix en cliquant sur le stylo en bas, créer une signature. Moi, je vais juste mettre une croix comme ceci. Hop, je fais grossièrement pour vous montrer, mais vous appliquerez peut-être un peu mieux. Vous allez tout simplement choisir le type de déplacement pour lequel vous êtes amené à être dans la rue, tout simplement. Donc là, j'ai mis une grosse croix ici. Ici, en bas, je mets pareil, Dijon. Ensuite, on met la date. Donc là, on est le 17 mars. Donc vous voyez, avec l'outil de la loupe, ça va très bien. On peut faire quelque chose de propre. Ensuite, on va venir signer. Donc là, je vais créer des initiales. Je vais tout simplement écrire, hop, le nom de ma chaîne, encore une fois, comme signature. Je fais terminer et ensuite, je viens ici le mettre en bas. Et là, vous faites terminer en haut et là, vous avez votre document. Donc là, vous pouvez directement le partager encore une fois et vous avez votre document qui est prêt à être imprimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde.